Au Mozambique, dans la baie de Ponta do Ouro, il existe un projet de recherche. Et ce projet s'axe sur la conservation, la recherche et aussi l'éducation des cétacés et des grands dauphins de la baie. Ce centre de recherche est géré par Angie, une femme qui est ici depuis plus de 25 ans et qui œuvre à la conservation de la biodiversité marine. My name is Angie Gullen from Dolphin Encounters Research Centre. We started recording and monitoring the population in the area in 1997, and it was really out of that that we went about developing what was to be Africa's first structured wild dolphin swim program that in the long term actually funds research and conservation. Oh my word! So what we're going to do now is we're actually going to test the water. So here we're going to have a look at the pH. What is that? Oh no, it's a fishing net. Okay guys, we'll pick up some humpback whales. So just keep your eyes in this direction. Yeah. Over the years, we have catalogued some 255 bottlenose dolphins in the area. We've got a big database that goes back to 1997, so all the information gets stored on there. That is ultimately our archive. If anybody approaches us asking us for data, videos and photos, the archive is there for us to share. Moi, c'est Alexandre, cofondateur de Be Wild. À la base, je vis à Paris et je suis du nord de la France, donc ça change forcément de tout ce que je connais. Je suis un très grand passionné des mammifères et venir ici, étudier les comportements des grands dauphins et des baleines à bosse, comprendre comment marchent les interactions sociales entre ces individus, ça me donne envie de m'investir et d'en apprendre plus sur leur fonctionnement. Nowadays, we really are one of the few places on the planet where you can actually have this one-on-one encounter that really is very, very profound, because here you know that the dolphins actively stopped what they're doing to come and engage with you just because they want to. You know, we're not touching them, we're not feeding them. This is truly out of their own free will, and really this is the best way to encounter dolphins in the wild. This is what we call conscious interaction. Depuis plusieurs années, on va à la rencontre de différents organismes dans le monde, comme celui des grands dauphins à Ponta. Et on a l'envie et la passion de pouvoir faire connaître ces projets à travers Be Wild et de dire il y a des missions qui existent, il y a des solutions qui sont déjà mises en place et vous pouvez aussi participer. Donc concrètement, on va communiquer avec nos partenaires comme Engie et remonter des vraies données du terrain. Mais on va aussi encadrer des volontaires, des groupes d'études ou tout simplement des passionnés, des animaux qui souhaitent rejoindre ces équipes d'experts et être enrichis d'une expérience sur le terrain. Be Wild, c'est avant tout un moyen de pouvoir sensibiliser et éduquer sur les enjeux de conservation de certaines espèces animales à travers nos partenaires et nos missions. Mais c'est aussi un projet qui est voué à faire grandir une communauté qui veut participer à la préservation de notre magnifique nature.